Donc l'objectif de la formation socio-sportive aujourd'hui, c'est de donner des billes, des informations à tous nos éducateurs qui, eux, vont être sur le terrain après et pouvoir soit sensibiliser, prévenir, parce qu'il y a différents types de temps auxquels on peut intervenir. On peut intervenir avant une maladie pour prévenir, on peut parler de l'activité physique, on peut intervenir pendant une potentielle maladie, après. Mais notre plus gros champ d'action aujourd'hui, c'est la prévention, c'est de toucher les enfants, tout âge. Et donc le conseil qu'on a donné aujourd'hui, c'est les activités et les exercices de cohérence cardiaque qui permettent, à travers un temps de respiration, de maîtriser le comportement cardiaque, mais aussi de maîtriser les émotions. Et ça, c'est quelque chose qui, auprès de nos publics, est assez important. Et à travers cette partie-là, on peut toucher le bien-être mental et le bien-être physique. Et nous, ce qui nous importe à l'UFOLEP, c'est de toucher les trois pôles, le mental, le physique et le social, pour prendre en compte la santé dans sa totalité.